temps ici. Ça va bien, enchanté. Les vrais d'antiques, j'en étais un, moi, il y a de nombreux amis. Les d'antiques aussi. Belle organisation. Ouais, superbe organisation, ça fait longtemps. Puis être ici depuis 2000 ou 2001, je ne sais pas exactement. OK. Ben, j'ai un blanc de mémoire, disons. Mais nous autres, on a acheté en 2006. On est arrivé en 2006. OK. Ça a commencé à être un petit peu en difficulté, puis avec la compétition, puis les facteurs, puis tout ça. Nous autres, on a repoussé en 2006, puis là, depuis ce temps-là, on reconstruit ça. C'est nous autres qui, en 2007, on a amené la farine du Québec. Fait que depuis ce temps-là, tous nos pains sont faits avec de la farine du Québec. Donc, c'est la farine est cultivée dans les champs du Québec. Uniquement cultivé de façon plus naturelle, plus écologique. Il y a plein de règles là, qui doivent suivre là, pour la culture de notre blé. Fait que, ça donne un blé de super haute qualité et un pain de goût exceptionnel. Super. Je me sens dans un cours de bio en secondaire. Yo, Mr. White, yo. Je peux aller vous en chercher d'autres parce que là, il y en manque. Là. Il y en a. En fait, ils sont tous là-bas. On peut juste tout aller par là-bas. OK. Ça va être juste plus simple que je change les. C'est bloqué sur toute la longueur. Ouais. Fait que prenez-le en largeur. Les planagers seraient excités. Frein de circulation, ce serait pas trop long. On a ça, c'est les pains qu'on vend chez Tosco, les pains Renault. Pain à barre. On le voit mieux par de l'autre angle. Ouais, ouais, ouais. Avec du des épices. Là. Mmh. On a mis une distance de ça. Là. Ouais, quelque chose. Ouais, là, ça. Ouais. Quelqu'un veut d'autres choses? Ça va, merci.